Bonsoir, mon nom est Félix-Antoine Savard et ce soir nous sommes au Collège L'Assomption pour la 7e édition du Gala Florilège. Je vais avoir la chance ce soir d'interviewer des gens formidables, reconnus finalistes dans différentes catégories. Je leur souhaite donc la meilleure des chances et sur ce, passez une belle soirée. Ce soir, vous êtes ici à titre de... Je suis animatrice de la soirée. Fait que là, on marche sur le tapis rouge, bon, ça va se préparer. La soirée commence dans une trentaine de minutes, mais les vedettes sont en arrière, ils s'en viennent. Ça, c'est les filles qui animent avec moi. Ton nom, c'est? Alexandra. Alexandra et toi? Dominique. Janie. Gabrielle. Parfait, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Vous êtes ici pour? Persévérance, catégorie persévérance. Puis c'est ça, je suis resté un peu, là. Fait que... Parfait, puis si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Je suis stressé au bout. Parfait, passez une belle soirée. Vous êtes ici à titre de? Dans la catégorie dépassement de soi. Parfait. Parfait. Si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Je suis stressée, entité. C'est... Je vous souhaite la meilleure des chances, madame. Vous êtes ici pour quelle catégorie, en fait, aujourd'hui? Soi. Dépassement de soi, parfait. Et si vous aviez la même chose que les autres, un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Bonne chance aux autres aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, tu es ici pour quelle catégorie, en fait? Dépassement de soi. Dépassement de soi, en fait. Puis pourquoi t'as reçu cette mention? Parce que... J'écris des articles, des chroniques sur ma saison de football dans l'écho de Repentien. Puis c'est le coach, mon coach en chef de l'équipe qui m'a décidé de faire une application pour moi ici. Dans quelle catégorie es-tu nommé aujourd'hui? En fait, je suis pas nommé aujourd'hui. Moi, je suis humoriste. Ah, parfait. Donc, t'es humoriste. Parfait, t'es humoriste. Et si t'avais un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Regarde maman, je suis en jeans dans un gala. Moi aussi, c'est bon. Tu peux y aller. Toi, t'es nommé dans une catégorie aujourd'hui? Oui. Laquelle? Personnalité sportive. Personnalité sportive. Et pourquoi tu es nommée dans cette catégorie aujourd'hui? Parce que j'ai gagné les Jeux du Québec en équitation. Félicitations. Et si tu avais un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Je sais pas. Je suis contente d'être ici. Je sais. Parfait, je te souhaite une bonne soirée. Et tu as été nommée dans quelle catégorie aujourd'hui? Artistique. Artistique. Et qu'est-ce que tu as fait de particulier dans l'artistique? Bien, je chante et je joue du piano. Ah, parfait. Donc, si tu avais un statut Facebook à faire, ça serait quoi? Un quoi? Un statut Facebook? Mais j'ai vraiment hâte que c'est une très belle expérience puis que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Parfait. Passez une belle soirée. Vous êtes dans quelle catégorie aujourd'hui? La catégorie artistique aussi. La catégorie artistique, qu'est-ce que vous faites d'artistique, en fait? Ben moi, j'ai fait un projet de valorisation du patrimoine forestier, des bûcherons surtout. OK, parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Ben, j'espère qu'on va passer une belle soirée. C'est sûr, passez une belle soirée. Oui, vous êtes dans quelle catégorie aujourd'hui? Personnalité artistique. Personnalité artistique, et qu'est-ce que vous avez fait de particulier? La musique au sens large, composition, interprétation. Parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire, ça serait quoi? En nomination pour la personnalité artistique, à suivre. Parfait, bonne soirée. Et vous êtes ici ce soir dans quelle catégorie? Jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? En fait, j'ai démarré une école de tennis dans la Nausière qui offre des cours de tennis finalement dans plusieurs municipalités là, de la région. Félicitations. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Merde. Passez une bonne soirée. Ce soir, vous êtes nommé dans une catégorie? Jeune entrepreneur moins de 35 ans. Parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Ben, contrairement à mon participant d'avant, je ferais gym. Parfait. Passez une bonne soirée. Et vous êtes nominé dans quelle catégorie aujourd'hui? Jeune entrepreneur aussi. Parfait. Et qu'est-ce que vous avez fait de spécial? En fait, je suis copropriétaire d'une entreprise, d'une firme de services conseil en ergonomie. Parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement? Que le meilleur gagne! Parfait. Passez une belle soirée. Oui, vous êtes ici à quelle catégorie, en fait, aujourd'hui? Pour Initiative Jeunesse. Initiative Jeunesse, et qu'avez-vous fait pour l'Initiative Jeunesse, en fait? On a ramassé des cadeaux pour les enfants, pour le temps des fêtes, qui n'ont pas la chance d'en avoir. Parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Donner un joyeux suivant. Parfait. Passez une belle soirée, les filles. Vous êtes ici pour quelle catégorie? Environnement. Environnement. Et qu'avez-vous fait pour l'environnement? On a nettoyé les berges de Saint-Félix. Ah, parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? On va gagner! Parfait. Je vous souhaite la meilleure des chances. Vous passez ici. Soit, en fait, vous êtes ici pour quelle raison? Pour quelle nomination? Catégorie environnement. Catégorie environnement. Et qu'avez-vous fait pour l'environnement? En fait, on a intégré des fonds pour les enfants. En fait, on éduque les enfants préscolaires à l'environnement, à la biodiversité, à l'écologie, préservation de l'environnement. Oh, wow, parfait. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Bonne chance. Parfait. Passez une belle soirée, Justine. Ce soir, tu es en nomination pour quelle catégorie? Parti-
participation citoyenne. Participation citoyenne. Et qu'est-ce que tu as fait pour la participation citoyenne? Bien, dans le fond, j'ai fait plein de projets, dont un projet sur l'intimidation pour contrer l'intimidation scolaire à l'école. Donc, j'ai été dans les écoles faire des conférences. J'ai fait un CD sur l'intimidation parce que je chante. Donc, ça a parcouru quelques écoles. Aussi, j'ai fait un projet sur le 11 septembre, commémorant les événements, un CD commémoratif que j'ai envoyé un peu partout. Ça s'est même rendu jusqu'en France et au maire de New York. J'ai reçu des lettres de retour, fait que j'étais super heureuse. Puis plein d'autres projets comme ça. Bien, félicitations. Et si tu avais un statut Facebook à faire immédiatement, ça serait quoi? Que je suis super heureuse et super excitée d'être ici. Je te souhaite la meilleure des chances. Tu peux y aller. Vous êtes ici ce soir à titre pour quelle catégorie? Implication citoyenne. Implication citoyenne. Et qu'avez-vous fait pour la citoyenneté? En fait, je suis conseiller municipal dans mon village. Je viens de Saint-Barthélemy. Je suis membre de plusieurs comités qui œuvrent au sein de la communauté, que ce soit Place aux jeunes, que ce soit des tables de concertation, que ce soit comité des loisirs, etc. Organisation de plusieurs fêtes de village. Donc, très actif à ce niveau-là. Félicitations. Et si vous aviez un statut Facebook à faire immédiatement, ce serait quoi? Ça serait probablement que je suis content de la table d'endo que je reçois ce soir. Parfait. Je te souhaite la meilleure des chances. Passe ici.